Saison 17, légende cool mais pas incroyable. Saison 18, rework d'une légende. Ce sont des choses passées qui n'empêchent pas le futur de se créer. Et ça fait un an qu'on le sait, conduite va arriver à un moment ou à un autre. Et là, c'est confirmé, conduite est la légende de la saison 19. Elle était déjà dans les fichiers du jeu, mais l'ajout d'une exécution, généralement, ils le font pas, sauf si c'est la prochaine légende. D'ailleurs, l'exécution s'appelle Selfie et Respawn apprécie énormément faire des personnages qui sont Lore Accurate. Avec ce nom, ça pourrait être la sœur de Crypto, vu que l'arc de Crypto est ouvert depuis extrêmement longtemps. Mais c'est vraiment une supposition qui se base uniquement sur un petit short qu'on avait vu à un moment. Sur la bannière qui a été dataminée, c'est Cyr qui est sur la pose. Mais ça peut être juste un personnage de remplacement, tant qu'ils n'ont pas le vrai modèle, on ne sait pas trop. Par contre, si le rapport avec Sire est réel, ça pourrait être Margot, qui est très proche de Catalyst, puisque Sire a amené les jeux Apex sur la planète de Catalyst, Broken Moon, et Catalyst est extrêmement proche de Margot, Margot qui a la même marque sur le visage que Big Sister. Au niveau de son tactique, apparemment, on pourrait soigner le bouclier de ses alliés au prix de notre bouclier. Ce que vous voyez, c'est une simulation, on ne sait pas encore les vraies quantités, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un personnage qui va être extrêmement orienté support. Le passif vous permet de recharger vos boucliers, et il fonctionne encore mieux si vous avez vos teammates à côté de vous ou si vous portez leur bannière. Ça, je ne sais pas. Ce que j'en pense parce que ça voudrait dire que le passif de Watson il est complètement obsolète et je les vois mal complètement rework le passif de Watson sans en avoir parlé une seule fois. La conclusion c'est que son passif c'est clairement autour de ses shields par contre ce que ça va être exactement... Je m'avancerai pas là-dessus. Par contre, son ulti, il a l'air super intéressant parce que c'est une grenade qui définit une zone dans laquelle vous allez trade les boucliers de vos ennemis pour récupérer vos boucliers à vous. Donc on ne sait pas jusqu'à combien vous allez pouvoir faire descendre les boucliers des ennemis pour voir combien en récupérer. Est-ce que le ratio c'est 1 pour 1 On ne sait pas. Mais par contre, ça va super bien avec le tactique qui vous fait healer vos, vos amis. Au prix de vos shields, puisque là vous pouvez récupérer votre shield au prix du shield des adversaires. Donc il va y avoir un espèce de jeu d'équilibre à créer. Ça a l'air très intéressant. Généralement, les leaks dont je parle, ils sont assez fiables. Il faut juste se rappeler que c'est des leaks, c'est pas des informations officielles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Le personnage, il a l'air cool en théorie. Après, est-ce qu'il va être bien en jeu On n'en sait rien, comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine et faites attention à vous.